Salut les amis, on se retrouve où on s'était quitté la dernière fois. Du coup, continuez la partie. On devait partir en balade avec la fille de je sais pas qui là. Alors je voulais vous dire vite fait, pour tous ceux qui regarderont la vidéo. La vidéo et qui ne sont pas abonnés, surtout abonnez-vous les amis, ça me fait plaisir et vous ça ne vous coûte rien, je dirais. Ouais les amis, allez merci à vous et bonne vidéo, ciao. Comment nous as-tu trouvé? Il est facile d'apprendre des choses à Bagdad, surtout quand on a un père qui connaît tous les marchands de la ville. Ali Baba, dans ta lettre, tu as dit qu'il était en danger. Ça, c'est certain. Notre journal s'appelle. Des 40 voleurs ? De célèbres bandits aux ordres du roi des voleurs. Selon la légende, il brandit une épée enflammée. Les garçons avec qui j'ai grandi parlaient tout le temps de lui. Je pensais qu'il était une légende, un conte pour enfants. Mon père s'est retrouvé en affaires avec eux. Pour des voleurs, ce sont d'excellents négociants. Ton père les rencontrait sur leur territoire ? Une très mauvaise idée. Je lui ai dit 1000 fois de ne pas traiter avec des malfaiteurs. Mais autant parler à un puits. Et voilà le résultat. Je travaille avec ceux qu'on ne voit pas pour sa sécurité. Tu dois beaucoup aimer ton père si tu fais appel à ceux qu'on ne voit pas pour le protéger. Nous voyageons ensemble. Et j'assure la sécurité de ses caravanes. Je suis responsable de son bien-être. Et je reste une fille inquiète. Ces voleurs sont des gens à prendre au sérieux. Tu es donc ma réserve si j'ai besoin d'aide. Le plan est simple, alors écoute. Tu observes de loin et s'il se passe quelque chose, tu fais comme moi. Ce sera peut-être ici où il y a le cheval. On approche. Par contre, il faudrait que je trouve de la santé. Non. Le cheval de mon père. La Rana Komal ! Je vais les écarteler, les jeter au rat ! Attends, Moljan. On ne sait pas encore ce qui s'est passé. Repère des 40 voleurs. Pas mon père. Là, il... Alors, que vois-tu ? Là, il faut qu'on aille là-bas, vite ! Je croyais qu'il fallait observer de loin. Il n'est plus question d'observer. La vie de mon père est en jeu. Je vais... Non, attends. Je vais m'occuper d'eux, discrètement. Nous sommes sur leur terre. Mieux vaut se montrer prudent. D'accord. Montre-moi comment tu fais, mais vite. Attends 2 minutes, ma belle. Aide. Tu ne sais pas qu'il ne faut jamais traiter avec des voleurs. Hein ? Ne crains rien. Attends un peu. C'est étrange. Je vais te faire manger ta... Une seconde. Elle nous en fait trop. Un quatrième ici.
Y'a personne qui m'entend. Ah, j'ai peut-être une idée. Et voilà pour la dernière. Ah merde! J'avais pas vu qu'il y en avait encore. Ah, j'ai pas beaucoup de vie. Il faudrait que je trouve de la ville. De la santé. Murjan. Oui, je suis là. Ah merde, c'est triste. Adullah anutrilahu al-janna. Merci. Je ne pense pas que nous ayons tué tous les voleurs. Il doit y en avoir d'autres. Il faut partir. Oui. Par contre, avant ça, je vais demander s'il n'y a rien de caché. Mon père mérite d'être enterré comme il se doit, de vraies funérailles. Retrouve-moi chez moi près du bazar. Pas de problème. Tu y recevras le paiement de tes services. Bon, dans ce cas-là, moi, je vais faire le tour du camp. De toute façon, il n'y avait pas grand-chose. C'est quoi, une pâte de lièvre? On a récupéré notre cheval. Ça l'a déjà fait. Du coup, on va aller retrouver la fille. D'ailleurs, on a ça à faire ici. Rien ne peut nous échapper.
pensais qu'il y avait un puits. On continue à pied. Je crois que t'as du monde ici. Doublette. Ah, on est grillé. Merde. Et voilà. Du coup, en 50. Alors. On a un nouvel ennemi ici. J'arrive qu'il y a quelqu'un ici, mais j'arrive pas à le scanner. Et il est là. Là-bas, il y a quelqu'un aussi. Oh, de la vie. De monde. Un petit coffre. Merde. On va récupérer un peu de santé. Là, je récupère un peu de vie. Dieu est avec moi. Ah putain. Ah décidément.
Par contre, il faudra que je retrouve un peu de santé là. Peut-être qu'on aura un peu de santé ici. Même pas. On va faire demi-tour. Oh, il y a quelqu'un là-bas. Il n'a pas eu le temps de nous voir. Il l'a juste aperçu. Il est temps de filer. Il y a quelqu'un là-bas. Est-ce qu'il est mort ? Elle va bouger de là, lui. On s'est passé sur le côté. Alors, merde. Oh là 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 là. À mettre près, je sautais sur le bon mur, mais là, je sautais en plein dans le vide. Du coup, allez, on y revient. Par contre, comme je suis recherché, on va essayer de faire attention. هل ذلك
Mal. Voilà. Tu m'as réussi. Ça me reste combien les couteaux de lancer, mon masque 2. Voilà. Par contre, on est à court maintenant. Je croyais qu'on allait en récupérer, en repassant dessus, mais non. Cet endroit pourrait abriter 100 chevaux et 100 dromadaires. Je ne savais pas que le commerce avec des voleurs était si lucratif. On n'a aucun qu'à récupérer. Normalement, on a une affiche pas loin. Allez, l'affiche. Il faut que je fasse disparaître tout ça. Et du coup, nous on doit laisser à 47 mètres. Ouais, ça peut plus. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Les funérailles. Tu es une fille aimante. Je ne suis pas l'enfant qu'il espérait. Je voulais voir le monde, répondre à l'appel de l'aventure, les armes qui s'entrechoquent, l'ardeur des combats. Il aurait préféré quelqu'un aspirant à une vie calme, faite de transactions. Mais cela ne l'empêchait pas de m'aimer. Les seules fois où nous nous disputions, c'était à cause de ses affaires avec les 40 voleurs. Il peut être difficile de résister à l'attrait de l'argent. Surtout quand on est habitué à... Je me suis dit. Mais ce n'était pas la seule raison. Regarde. J'ai trouvé des dessins et des notes parmi ses affaires. Il est question d'une grotte aux merveilles, remplie de pièces et de joyaux. Il dit qu'il voulait exaucer mon envie de voir le monde. D'une certaine manière, les 40 voleurs étaient la clé de cette grotte. Il y a tant de choses que j'ignore au sujet de mon père. J'aurais pu l'aider, mettre sur pied un plan. Il est des secrets que l'on garde à tout jamais, sans les offrir à qui l'on aime le plus. La marque des voleurs, ils existent toujours. Et ils t'ont prise pour cible. Ils savent maintenant où tu vis. Et ils viendront jusqu'à ce qu'ils t'aient tué. La vie de mon père ne leur a pas suffi. Nous leur avons porté un coup. Si nous marquons d'autres maisons, je pourrai m'occuper des voleurs avant qu'il y ait d'autres morts. Je ne peux les laisser profaner la dépouille de mon père. Je vais y aller. Je ne dois pas mettre en péril des innocents sans défense. Là, du coup, il y a une petite affiche. Tac. Par contre, il aurait bien récupéré l'éclat de je sais plus quoi, je sais plus comment ça s'appelle. Oh. Ils vont récupérer plus de la vie. Piquer la marque des voleurs. Une de fête.
Une explosion. Et de deux. Une marque de plus. Je dois faire vite. Les voleurs risquent de se montrer à tout instant. La dernière. Voilà. Voilà qui est suffisant pour les embrouiller. Maintenant, attendre en hauteur. Je pense que le chien va être bien. Ah non, il veut que j'attende là-bas. Voilà, on va être bien. Les voleurs ne devraient plus tarder. Non, les bleus. Ils sont venus en bande. Troisième. Ah, ça lui était mieux l'attaque. Quand j'ai pas de vie. Regarde vers nous, lui. On va bien récupérer un peu de santé avant. Oh putain. Il a recommencé.
Allons voir ses repères. Ah non, ça va, je dois pas tout reconnaître. C'est le dernier. Montana, j'espère qu'elle n'a rien. Par contre, j'avais vu qu'on est de la santé ici. On va rejoindre la fille. Là, il y a un truc qui va nous aider. Voilà, comme ça, on n'est plus grillé. Avec les combats, faut que je m'y fasse parce que là, ça devient triste. C'est cool, il m'en restait plus qu'un à tuer. C'est que la troisième fois. Troisième fois qu'on recommence. Malgré qu'on ait mieux géré le combo là.
Difficile pour tout. Lâche-toi. Allez. Viens, oh. Ouais. Faut pas s'énerver. Faut rester calme. Comment puis-je faire? De toute façon, on est en plein dedans dans le combo direct. Allez, fais une erreur. Ça reste que deux. D'accord. D'accord, d'accord. On va y arriver. On va y arriver. Oh, je pense que c'est la bonne celle-là qui arrive. Un peu plus, je rentre un peu moins dans le dos. Les corbeaux vont se régaler. Ah, voilà. Merci. Il savait danser. Je suis un peu essoufflé. De rien, j'y laissais un peu de ma vie, quoi, mais... Tes blessures sont sérieuses. Il y a plus grave, crois-moi. Je les ai entendus parler avant qu'ils ne me trouvent. C'est le roi des voleurs qui a ordonné l'exécution de mon père, et à présent, la mienne. Que peut-il te vouloir? Il sait que je connais l'existence de leur grotte. Maintenant que mon père est mort, je constitue un risque. Il sait aussi que tant que je serai en vie, il ne pourra être en paix. Tant qu'il vivra, il en sera de même pour moi. C'est le sang de mon père qui nous lie à jamais. Dans ce cas, il faut le traquer en premier. Non. Je ne peux te demander cela. Et je ne t'ai pas encore payé pour tes services. Ah, un peu d'argent. Je n'ai pas pour habitude de laisser une tâche inachevée. Nous parlerons de mes gages plus tard, une fois que tout sera terminé. Je viens avec toi. Non. Laisse-moi partir devant.
Enterre ton père, puis viens me rejoindre. Ça sera mieux. Attends. J'ai trouvé ceci dans les affaires de mon père. Et quoi ? Un mot de passe. Peut-être la clé de ce que mon père cherchait à découvrir. Leur vrai repère, la grotte. La cachette. Merci, toi. Des mille voleurs. Je t'y retrouverai. Un équivalent de voleur. La fin de ton règne approche, roi des voleurs. Je m'en vais te trouver. Va, toi qu'on ne voit pas. Je te rejoindrai quand j'aurai repris des forces. Cette personne me paraît suspecte. Voyons ça de près. Grâce à cet éclat, je lève un peu plus le voile sur les mystères et les secrets de la salle. Où on doit aller, la boue. Les gens au long cheval, ils sont sauvages et compétents. Des guerriers redoutables. Mais... Yeah ! Par où on peut passer? Ce sont peut-être de mauvais dessins. On met une porte par ici. Non, là, il y a un pont. À gauche, hein. Va-t'en d'ici. Et toi, malheureux. D'ailleurs, tout à l'heure, j'avais des trucs à faire. Je vais faire ça. Il y en a plein ici. J'en ai même pas fait un seul, bon, c'est pas grave. Et la santé. Voir ce qui se passe au repère. On va laisser elle récupérer un peu d'énergie et on va retourner au galop. Hey, toi, attends un instant. Ce qu'il me veut, lui, j'ai pas le temps. Les gens diraient qu'il y a de la fumée qui s'échappe. C'est le repère des 40 voleurs. Sois messieurs.
d'un. Et de deux. Encore un truc à faire ici. Ah, il y a encore un ennemi. Ok. Voilà. On a éliminé tous les gardes. Ça doit pas être si difficile à trouver. Trouver un moyen d'entrer. Que voyez-vous ? Des bidons. Iftah ya Sim Sim. On sait qu'il y avait une entrée dissimulée quelque part, mais non. Mot de passe, la porte elle s'ouvre. Rien de plus facile. Ça a fonctionné. Même les Banu Moussa seraient impressionnés. Maintenant, trouvez le roi des voleurs. Une minute! Un petit coffre. Mokana a dit constituer un risque pour le roi des voleurs. Je serai le risque de ce roi. On ne voit vraiment pas. Assassiner du garde à la suite sans déclencher de conflit couvert. Ouvert, ok. Là, il y a un nouvel ennemi. À nouveau. On en a un petit peu plus loin d'abord. Peu de vie. On a fait le plein. Je ne crains pas la mort. Allez. Ah, qu'est-ce que c'était ? Éliminer tout le monde, étant à nous le butin. Désolé, j'ai un peu tardé.
Il est... mort. Ce n'était que de la fumée, des miroirs, des tours et des illusions. Il nous a tous bernés. Il ne le fera plus. Le prix du sang a été payé. J'ai cru que cela me consolerait. Tiens, en paiement de tes services. Que comptes-tu faire à présent ? Me joindre à une caravane partant pour Samarcande. Quand mon père était en vie, nous visitions de nombreuses villes et goûtions aux douceurs du monde. Maintenant qu'il est mort, je n'ai aucune raison de rester. Ce que ton père souhaitait offrir s'est finalement réalisé. Oui, mais à un coût bien trop amer. Peu importe. Je parcourrai ce chemin seul et j'y retrouverai mon père. Tous mes vœux t'accompagnent, Morgiana. J'espère qu'un jour, nous nous reverrons. Tu pourras me trouver. Mais je doute de pouvoir en faire autant, homme de l'ombre. Wadaran, toi qu'on ne voit pas. Du coup, au revoir. On a terminé la mission, on va récupérer le butin, puis on va s'arrêter là. Je pense que c'est tout pour voir rejoindre la sortie. Rejoins un point de synchronisation pour la prochaine fois. Ça va, j'en ai trouvé un plus près.
Observe bien. Ben voilà, on va s'arrêter là. Du coup, je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.